I'm going to go to the next one.
Nous allons maintenant vous présenter un exercice pour travailler le yoga berikiyage. Écoutez les plus utilisés dans la kata Shotokan. Cet exercice consiste à travailler le placement des hanches, des épaules, du genou, mais aussi du pied. C'est un coup de pied fouetté. Tenir le bras de son partenaire est en fait un point de repère, il est inutile de frapper dans le bras avec le pied. Pensez à armer le pied au niveau du genou. Effectuez le coup de pied en tendant le genou et en ramenant le pied le plus horizontal possible. Après avoir frappé, vous ramenez également le pied au-dessus du genou. Au moment de l'armer, le genou est bien dans la direction de la frappe.
travailler ce couplet d'abord avec une passe lente, technique, comme nous vous le présentons. Puis dynamique dans sa phase de frappe. Et enfin l'ensemble du coup de pied d'abord doucement, bien technique, montée du pied au-dessus du genou, ouverture du genou vers la direction de la frappe. Et enfin le coup de pied dans sa phase dynamique normale. Démonstration ici au ralenti. Horizontalité des épaules. Ouverture des hanches, placement du bassin et surtout placement du pied. Un autre coup de pied très utilisé aussi dans les kata, le main guéri. On a trop tendance à négliger le main guéri. À laisser traîner le pied, à ne pas ramener le talon aux fesses, à ne pas décoller suffisamment le genou avant d'exécuter la frappe. Cet exercice vous permet au contraire à bien monter le genou, à bien ramener le talon aux fesses, et enfin exécuter le main guéri en forçant le moins possible, c'est-à-dire ne pas pencher plus en arrière, conserver toujours la ligne horizontale des épaules, le tout grâce à une corde tendue entre deux chaises, au-dessus de laquelle vous devez frapper le main guéri. Utiliser ce même type d'exercice pour différentes phases de kata, une montée de genoux ou simplement une frappe de pied. Nous prenons ici l'exemple de MP, où il y a une montée de genoux et une réception dans la position Kozodashi. La corde vous permet d'éviter de laisser traîner le pied, de monter le genou le plus haut possible, et ajouter une difficulté supplémentaire. Ne pas compenser, ne pas pencher le buste en arrière, ne pas décoller les coudes lors de la montée du genou. Le mouvement doit être dynamique, tonique, puissant et surtout très précis comme le demandent les katas. Voilà, c'est fini, j'espère qu'on aura répondu une grande partie de vos questions. Merci pour votre confiance et rendez-vous prochainement. A bientôt!